on devait faire le tour avec la passerelle Masaryk. Donc il y a un petit côté pratique depuis la gare de Vez quand même, et voilà. On l'attendait avec impatience et ça y est. C'est plus pratique dans le fond si je vais au cinéma. Je suis directement pour aller au pâté, puis pour faire mes courses et puis pour bouger, quoi, surtout. Voilà. On a été pas mal perturbés pendant 2 ans et demi, mais bon, ça en valait la peine. Voilà, je suis très contente et c'était très beau. J'étais obligée donc de faire, d'aller prendre les embouteillages là-bas. Bon, là, ça va fluidifier la circulation. Là, comme c'est dans les deux sens, ça facilite la vie à énormément de gens, je pense. Moi, je viens du deuxième. Ça me permet de ne pas faire un détour et de venir directement comme ça au lieu de rentrer dans la ville. Je travaille sur le 6e arrondissement et je viens de Champagne-au-Mont-d'Or. Et a priori, ça a l'air efficace, effectivement. Ça va désenclaver un petit peu le Vez, là, côté Pont-Mouton, donc ce sera une très bonne chose. Bien sûr, ça facilite énormément le lien entre ces deux arrondissements. Ça permet de rejoindre l'autre rive très rapidement et sans difficulté. En plus, il est vraiment très très bien conçu puisque les piétons et les cyclistes sont complètement à l'abri des voitures. Hein. On a de larges pistes, il y a de la place pour tout le monde et je pense que c'est très convivial. Hein. Je viens de découvrir qu'il y avait cette partie réservée aux piétons et ça, je trouve ça une excellente idée. Mais vraiment, ouais, je trouve ça vraiment bien, d'autant qu'on a une très très belle vue et que j'adore la Saône. C'est spacieux pour les piétons et en plus on est un peu à l'écart des voitures, donc on n'a pas de bruit, c'est parfait. Vraiment, il est magnifique. On a l'impression d'être passé un autre temps. Franchement, non, mais j'aime beaucoup. Je vais faire un vœu d'ailleurs. C'est la première fois que je le prends. Il est extrêmement photogénique et il prend très bien la lumière. Donc pour un photographe, c'est un vrai régal. Et donc là, je fais le tour du pont un peu sous tous les angles, mais c'est magnifique. Très très beau, très large. Moi, je suis très surprise par la taille qu'il a. Parce qu'il est très large, il est très imposant. Et en vérité, vu de l'extérieur, il est magnifique. Il est bien dans l'axe de la passerelle ou de l'autre pont. Et c'est une belle réussite, ouais, je trouve. Très. On verra l'usage que ça donne, hein, sympa. Je regardais le grillage, la sécurité. Bon, si c'est la résistance, ouais.